Yo tout le monde, finalement on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez bien, en tout cas moi ça va super. Donc alors, comme on l'a vu dans le titre, je vais vous présenter mes logiciels de montage vidéo et pour faire mes intros, tout ça. Donc là je pense que vous vous demandez c'est quoi le truc avec écrit Tom Killbuff, mais sauf que maintenant mon nouveau nom normalement c'est Tom Movies. Donc voilà, et le truc là, oula, là le truc c'est... Donc il y a écrit 9, c'est mes noms d'abonnés, et je crois que 334, ça correspond à mes nombres de vues en tout sur mes vidéos, je pense. Donc voilà. Ça ici, Subcount, c'est l'application qui permet de voir ce que je vous ai dit. Après, Floating Camera, c'est la truc de... Enfin, l'application de... Comment? L'application pour Facecam. Donc là... Vous voyez derrière, sauf qu'il faut baisser et faire retourner la caméra. Et vous voyez, sauf que mon écran, c'est un peu déformé. Normalement, ma tête, elle n'est pas toute plate comme ça. Voilà, j'enlève. Parce que sinon, je vais pas trop regarder la caméra. Parce que sinon, je vais montrer plutôt les logiciels. Voilà. Donc, c'était le petit. On va plutôt passer à la. On va passer. Vraiment, on commence la vidéo. Là, c'était juste pour vous dire ce que c'était. J'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais voilà. Donc, le premier logiciel vidéo, c'est PowerDirector. Donc, je pense qu'il y en a certains qui connaissent. Voilà. Alors, c'est parti. Voilà. Donc là, c'est mon intro du début. Donc, je me tais. Je vais vous faire écouter. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, et il y a, c'était ça, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle une intro, mais je pense que vous connaissez, vous savez ce que c'est une intro. Donc voilà, et aussi vous mettez à la fin, donc ça, alors voilà, et je vous montre, allez c'est parti. Voilà, donc vous pouvez mettre ça au début ou à la fin, mais je pense pas que ça sera nécessaire au début parce que c'est plutôt l'intro qui compte. Donc comme je l'ai mis au début de la vidéo, pas cette vidéo là que je tourne, mais la vidéo que je vous montre sur le logiciel, c'est j'avais mis n'oubliez pas de liker ou voilà si vous appréciez la vidéo. Et comme je fais un petit rappel, donc le petit rappel c'est ça, le pouce bleu. Donc voilà, vous pouvez mettre des images, enfin ce que vous voulez entre les deux. Vous pouvez mettre les titres, tout ça. Vous pouvez mettre des stickers, donc comme j'ai fait mon pouce là, donc comme vous voyez là, voilà. Donc on passe au logiciel suivant. Donc ce logiciel là, ça sera pour faire des pas des miniatures, mais des pour faire une intro qui... Votre nom de chaîne, il sera affiché là. Donc là, il y a écrit l'apologie d'une religion, je pense que c'est. Donc vous mettez, je sais pas, on va mettre comme moi, tiens. On va mettre Tom, de toute façon, on va sustaining et Movies. Voilà. Vous cliquez sur le petit triangle ici. Et c'est parti. Donc après, il y a des trucs comme ça. Vous pouvez changer la couleur. Comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez mettre des lignes comme ça. Voilà. Plutôt pas mal, moi, je trouve. Bon, il n'y en a pas énormément, mais moi, je trouve que c'est vraiment bien pour faire... Voilà. Il y a celui-là. Donc, voilà. Après, il y a ça. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé dans l'ancienne vidéo. Pour... Avec l'intro que j'ai fait, donc celui-là. Donc celui-là, il est pas mal, j'aime bien moi. Tom Movie. Voilà, il y a celui-là aussi. Et ce que je vais utiliser pour la vidéo que je tourne là. Donc vous l'avez vu au début de la vidéo. Donc c'est sur ce logiciel-là que je l'ai utilisé.
Donc Tom Movie, ce sera mon nouveau nom de chaîne. Donc voilà, ce sera mon nouveau nom de chaîne. Si vous savez pas encore. Voilà. Et sur mes noms de chaîne, ce sera pas toujours pareil. Ce sera pas toujours par exemple que celui-là. Ce sera par exemple celui-là. Celui-là. Mais je pense pas celui-là, non. Et voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer l'application. Comment ça s'appelle? Donc là, on est sur Mobizen. Donc ça, c'est le logiciel avec quoi je vous fais. Donc vous mettez intro YouTube. Vous aurez des trucs comme ça. Donc moi, j'ai pris ça, j'ai regardé. Et voilà. Donc je vous mets la petite vidéo de l'application. Et à tout de suite. Voilà, donc ça c'est l'application de. Je ne sais pas pourquoi YouTube il s'est mis là. Donc voilà. Donc ça c'est l'application donc qui me permet de faire des. Voilà, donc je vous ai montré. Après il y a VideoShop. Donc c'est avec quoi j'ai installé il n'y a pas longtemps. Mais j'ai pas encore fait de logiciel. J'ai pas encore fait de montage vidéo dessus. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et il y a un truc aussi que j'aime bien. Donc ce que vous pouvez mettre. Donc, par exemple, moi je vais mettre. On peut prendre un truc qui. On va mettre ça. Vous faites Downs en haut. Voilà. Donc normalement voilà, c'est bon. Et après vous avez des sons comme ça. Donc vous pouvez mettre musique. Donc il y a plein de trucs. Donc ça c'est les. Je sais pas c'est quoi. Non. Ça c'est les musiques qui sont déjà dans la tablette. Sauf que c'est des musiques qui sont déjà sur Power Director. Donc. Pas spécialement bien et c'est mieux celle-ci donc tracks je vais pas vous les mettre toutes mais je vous fais écouter pas jusqu'à la fin mais juste comme ça donc à re tout de suite. Voilà. Et aussi, vous avez des sons. Donc, dans Sound. Et vous avez, par exemple. Donc, je pense que celui le plus connu. Donc, celui le plus connu, c'est celui-là. Donc, je pense que vous connaissez tous. C'est celui-là. Donc, le bra. Ce fameux bra. Donc, voilà. Je vous remets une dernière fois. Voilà. Donc, je pense que vous le connaissez. Hein. Il est assez connu, celui-là. Je pense. Donc, on passe au. Passe au logiciel suivant. Non? Ouais, on n'a pas le logiciel suivant. Voilà, donc je vous mettrai dans la description mes logiciels. Donc je vous mettrai aussi les noms d'abonnés. Donc où vous voyez ça là. Voilà, donc le truc de l'application. Donc en fait, vous allez simplement aller dessus. Donc comme ça. Et après, bon, vous faites OK. Donc si vous avez des widgets. Donc ça c'est pas comme je pense que c'est pas comme
Donc, si vous avez l'Android, vous cliquez longtemps sur l'écran, vous faites widget, et normalement, bah, moi c'est tout en bas, et vous n'avez plus qu'à le prendre et à le déplacer, mais je ne vais pas en remettre d'autres parce que ça sert à rien. Et vous l'avez surtout, vous avez simplement là qui va se mettre, voilà. Et après, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et vous avez aussi la facecam, donc je vous mettrai aussi le nom du logiciel dans la description. Donc voilà, j'espère que vous aurez pas trop vous serez pas trop ennuyé parce que j'ai un peu parlé trop, je pense. Juste pour comment on va dire trois logiciels, mais bon, ça permet aussi de vous montrer un peu plus, pour rentrer un peu plus dans les détails pour l'application. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Donc, si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Pour plus de vidéos, abonnez-vous. Je vous dis salut, ciao.